plaisante. Donne-moi les putains de clés. Vous n'êtes pas en état de conduire. Alors, meurs. Vous n'êtes pas raisonnable, monsieur Marthe. Je vais appeler votre femme. Laisse Sharon en dehors de ce... C'est pas juste. T'as pas le droit d'utiliser ton cul pour accélérer le temps et piquer le tour des gens. Je le sens bien, ce coup-là, les mecs. Je sens pas la douleur. Faut y aller, Trouduc. Je peux pas vous laisser vos clés. Tu les laisses te cogner comme ça. Esquive, bordel! Ressens la colère de l'homme cerf-volant! Ah, ils t'ont rendu tout faible et tout. T'as pas intérêt à perdre. Merde, merde, une seconde! Sharon m'envoie un texto! Je peux pas taper! Bordel, pourquoi je peux pas taper? Pourquoi j'ai des pouces énormes? Hé, hey, Siri, prends une putain de note! Dis à ma femme d'aller se faire foutre! Je suis en train de me battre! Émoji de merde! Mes clés. Oh, il a complètement perdu la tête. Je crois qu'on a sous-estimé les pouvoirs du vin rouge. Ça, c'est pour sacripant, enfoiré. Ça a dû faire mal, ça. Fous-leur sur la gueule. Ouh. Oula, on dirait que j'ai pas parié sur le bon cheval. Je garde vos clés. Un point, c'est tout. Gaffe au plissement d'yeux. Je suis là. La chance. Ah, je crois que mes boules me sont remontées dans le bide. Oh bordel, elle a pas l'air contente. Lequel d'entre vous a dit à Sharon que j'étais ici? Une minute. Je rentre. Bientôt, je cherche mes putains de clés. Cœur, cœur, XO, envoyé. La malfaisance ne battra jamais le coup de sa bande. Oh merde! D'accord, je vais prendre un taxi. Hé! Hey, quand Capitaine Diabète est là, on conduit pas quand on a bu! D'accord, d'accord, merde. Bon, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un nouveau caïd qui essaie d'écouler de la supercam. Ce type est en train d'essayer d'unir les familles italiennes et chinoises ensemble, bordel. On s'en fout de ça. Où est Sacripant? Sacripant? On a besoin de cette récompense pour notre franchise de super-héros. Oh merde, vous voulez juste un chat? Bon, donc il y a ce Cisco, à moins que rien, qui a commencé à travailler il y a 2 mois, qui se vantait de faire du fric grâce au crime en ville parce qu'un gros bonnet de blanc a la main mise sur toutes les drogues, toutes les catins et tout le reste, ok? Bon. Mais pas moi. Moi, je me gère toute seule. Ce que je veux dire, c'est que je possède un seul bien, c'est ma chatte, et que je l'hypothèquerai pas pour les poches pleines d'un enfoiré qui se vante de faire du fric grâce au crime et toutes ces conneries. Classique, désolé, mais... Et les chats? Ah, ces chats-là? Ouais, bah, il y a un taré d'Asiate du nom de Yakiababa ou un truc comme ça qui paie les sixièmes pour kidnapper les chats. Sérieux, je trouve ça trop naze d'enlever les minous. Moi, je garde le mien, merci. Je veux dire, c'est criminel, quoi. Ils vont où, ces chats? Ce que je peux dire... Mais j'irai rien avant d'être sûr d'être hors de danger, ok? Ces types rigolent pas. Et je veux être sûr que vous allez me protéger. Eric Cartman, as-tu une idée de l'heure qu'il est? Tu as école demain.
Non, pas maintenant, on est sur du sérieux, là. Les enfants, rentrez chez vous maintenant, ou j'appelle vos parents. Désolée, Madame Cartman. Désolée. Et c'est qui, la stripteaseuse? Le Coon et sa bande m'ont offert leur protection. Eh bien, elle ne reste pas ici. Bien, Quickie, emmène-la chez toi. D'accord. Et voilà le programme d'info pour bien commencer la journée. Bonjour, South Park! Bonjour, South Park. Un nouveau justicier a fait une apparition remarquée hier soir en se débarrassant apparemment seul de la famille mafieuse des Famboni. Pour nous en parler, voici un nain en bikini. Oui, Tom, je me tiens devant le bouquin des Fagoncini où le justicier a déclaré la guerre au crime à South Park. La vidéo d'une caméra de sécurité montre une jeune personne pétant vers la figure et les couilles de certains individus. Le gamin est entré et s'est mis à péter sur les gens. C'est arrivé si vite, putain. Peut-être que quelqu'un a enfin décidé de redresser le cap de cette ville. Cet enfant est un héros. Selon moi, ce môme est une menace. Combien de temps faudra-t-il avant qu'un innocent soit tué? Combien avant que Daredevil devienne le Punisher? Hein? Trois saisons? Trois saisons. Sur les lieux, la police a trouvé une mine de produits illégaux qui relierait le restaurant italien à un syndicat du crime de plus grande envergure. Il se pourrait que ce ne soit que la partie émergée de l'iceberg. C'est à glacer le sang. Et certains témoins rapportent également la présence d'un acolyte. Effectivement, certaines rumeurs font mention d'un acolyte, Tom, mais l'enquête a démontré qu'il ne s'agissait que d'un pédzouille atteint de diabète. Merci, le nain. Et bien sûr, la question qui brûle toutes les lèvres est désormais, qui est ce justicier péteur? On va encore passer pour des buses. Vous avez merdé. C'était pas notre faute. Ce gamin est entré dans le restaurant et s'est mis à péter comme un cinglé. Les Italiens, vous transportez le matos. Les Chinois et les Russes s'occupent du reste. Il faut rester discret, sinon les gens vont découvrir la vérité. Apprendre qu'on glisse le produit dans la cam et l'alcool pour faire monter la criminalité. Continuez à faire votre boulot en distribuant le pizza dans les rues, où je traiterai directement avec les Russes, ou les Chinois, ou les sixièmes. Oh la vache, comment j'ai trop bien dormi! Ça faisait des semaines que j'avais pas aussi bien dormi. Alors les gars, vous avez fait quoi de beau hier soir? Oh ben rien, comme d'hab, on a maté la télé, on est allé se coucher. Ouais, rien de passionnant dans nos petites vies monotones. Bon ben alors, on se voit demain, hein? Tu as une grosse journée qui t'attend, le nouveau. Va passer ton costume de super-héros et attends un message du Coon.